Finalisation du premier tome du texte du journal filmé pour publication sur la plateforme KDP. Alors que je travaille sur le montage de cet épisode, le mardi 13 septembre 2022, j'apprends la mort de Jean-Luc Godard. Par la magie et les hasards du montage, la voix d'Anna Karina surgit. Je crois que le temps n'existe pas au niveau le plus fondamental de la nature. Les particules élémentaires, quelque part, sont éternelles. Elles ne sentent pas l'écoulement du temps. En revanche, il semble que le temps émerge pour les systèmes complexes. Et c'est assez fin, finalement, quand on y réfléchit, parce que la vie est évidemment un système extraordinairement complexe. Et si on se demande ce que nous sommes, bah, nous sommes notre histoire.
Nous sommes notre histoire au sens génétique, de l'évolution darwinienne des espèces, et nous sommes notre histoire au sens mémoriel. La différence finalement entre vous et moi dans cette pièce, c'est que nous n'avons pas la même mémoire. Nous avons un passé différent, nous sommes notre passé. Et donc ce rapport au temps, c'est fondamentalement, je crois, ce qui définit les systèmes complexes, et il est d'ailleurs intéressant qu'en physique, il ne soit pas exclu que ça puisse même être considéré comme une définition de la vie. Finalement, les systèmes vivants seraient des objets qui ont un couplage, c'est-à-dire un rapport avec les autres objets du monde, qui maximisent la production d'entropie, pardonnez-moi ce terme technique, mais ce qui signifie de façon plus claire, qui maximisent la possibilité même d'un écoulement du temps. C'est parce que nous sommes vivants que nous ressentons le temps et que par conséquent nous mourrons.